Une fois encore, tu as laissé la victoire nous échapper. Combien de fois t'ai-je répété que cette fille ne pouvait rien t'apporter de bon? Nous n'en serions pas là si tu étais concentré. Assez! Tu ne fais que me narguer et m'insulter. J'ignore ce que tu prépares, mais je sais que je n'ai pas confiance en toi. J'ai honte de t'avoir cru. Mes intentions sont nobles. Je sais désormais ce qu'est la noblesse de l'âme, et je sais aussi que tu n'as rien à voir avec elle. Espèce de sale petit! Silence! Je te supporte depuis bien trop longtemps. Laisse-moi accomplir ma tâche, et nous verrons que faire de toi. Ah, c'est vrai, j'avais oublié qui est le chef. Écoute bien, petit prince, et regarde autour de toi. Nous sommes une femme impure, mais entends-tu le bruit de l'eau? Sens-tu son contact sur ta peau? On dirait que le vizir a asséché ce puits, non? À ton avis, combien de temps encore pourras-tu contrôler ton corps? Tic-tac, petit prince, tic-tac. Le temps est précieux, le temps est fugace, et tu commences à manquer de temps, petit prince. Tu veux boire quelque chose? Je peux attendre. J'ai tout le temps.